charge moun pardon qui gagne pour étudier dossier moun qui praler ministre pour le dire constitution dit ou pas ka ministre sont pas respecter condition ça yo mais en particulier sont pas gen caille parasol révélé bon paquet moun qui pral ministre qui sous liste vrai ministre qui pas gen aucun caille même au pied John dans pays ya moun sa yo chita dans chambre d'hôtel et ou déjà non complot dans confiolo avec une série de notaires racketeurs avec des apporteurs publics encore racketeurs pour bailler faux titres de propriété. Nous même nous dit nous prenons responsabilité des autres ça faut le fini. Nous déjà paré avec batterie cabinet d'avocat. N'importe ministre femme ou garçon qui en bas que qui t'a passé commission qui a étudié dossier dans deux branches parlement yo yo qui t'est passé avec un faux titre de propriété et bien nous même comme parti politique n'a porté plainte et nous déjà dit moun qui a étudié dossier moun yo dossier monsieur Damio c'est pas chita dans faire papier chita dans chambre l'hôtel c'est pour aller vérifier depuis que les moun ça a été caï ça depuis qu'il a dépossédé. Depuis qu'il est moun sa, est-ce qu'il doit payer taxes pour le ministre parce que fonds vont côté des autres la fini. Et nous parer pour nous porter plainte, pour nous traîner la justice parce que la loi dit auteur accomplice. Il y a même sanction et bien n'a porter plainte cette fois-ci. Le secteur populaire haïtien, proche de l'ancien président Préval, a fixé sa position sur la situation actuelle par rapport au choix du premier ministre désigné, le notaire Jean-Henri Séan. Le dit secteur invite aux parlementaires à prendre leurs responsabilités pour ratifier dans le meilleur délai la politique générale du premier ministre nommé en vue de remédier à la situation difficile à laquelle fait face le pays. Suivez les déclarations de Wilgo Suprême. N'a profité pour nous rappeler que le secteur populaire haïtien proche président Préval là, qui c'est un groupe sociopolitique qui toujours prend position beaucoup de peuple haïtien, renouveler engagement pour continuer à accompagner le peuple là, et spécialement s'il a qui plus défavorisé dans la bataille à mener pour bon genre changement dans le pays. Jodia, l'important pour nous faire la géographie pays a, dans situation difficile, peuple ça à vivre. Dans la ville, dans le monde, dans la section communale, côté la vie chère, à grimper, monter chaque jour plus, prix produit première nécessité, pas suspendre, monter, côté pouvoir d'achat, pas exister encore. Ça la cause, insécurité dans tout sens, alimentaire, physique, dans la zone défavorisée, grand goût, misère sans pareil, côté monde, a demandé chaque jour, ou même dans le secteur populaire haïtien proche président Préval là, nous demandons parlementaires de suspendre fait dilatoire, prendre responsabilité nous, pour nous froid, nous prendre défense moun qui te voté nous. Pas quitter quand les peuples là lever encore. Pour ça qui te passé ici, c'est Dieu, pas répéter encore. Pour payer à pas tomber dans la misère, puis plus toujours. Non, sans ça, secteur populaire haïtien proche président Préval là, a pillé maître Jean-Henri Séan comme premier ministre pays. Le collectif des citoyens de la Gonâve et Alliés invite à l'État haïtien à annuler le décret du 7 janvier 2016 créant le Centre financier international de l'île de la Gonâve qui privatise une partie du territoire national. Ces citoyens menacent d'entamer une lutte au cas où l'État haïtien ne satisfait pas leurs demandes. Donc nous-mêmes, les nous garder en dedans décret ça, nous estimons que comme l'État haïtien lui-même l'a dit, c'est pour le capable augmenter capacité et solvabilité, capacité et solvabilité devant partenaires internationaux, parce que comme Petro-Caribe a commencé à finir, donc nous estimons que c'est menti. Ou bien l'État trompé, ou bien l'État de mauvaise foi, il décide pour liquider
ti bout zile yo. Donc, parce que nous estimons en dans décret, en dans ça qui est écrit en dans décret, société multinationale ça yo, pas gen yon côté y a payé taxe. Donc, yo exonéré totalement dans l'article 54, article 55, yo exonéré. Non, article 45 décret, il est exonéré. Mais tout, n'a regardé dans l'article 4.1, l'État, by multinational, ça, doit pour prendre bien mon lagonave, pour prendre bien mobilier et immobilier. Ça veut dire acquisition. Bon, même si c'est français à parler, mais nous-mêmes, nous comprenons. L'homme qui n'a pas acquéri, l'homme qui n'a pas acquisition, nous comprenons ça lié. Donc, yo capable prendre bien mettre à disposition bien mobilier et immobilier. L'État va construire un la gonave. Là dit pour prendre bien mobilier et immobilier, qui bien l'État gagne la gonave la offre pour moun prend. Et nous gagne bien nous mêmes citoyens, c'est nous construire caille. C'est nous construire l'église, c'est nous construire l'école, c'est nous construire cimetière. C'est nous faire tout ça la gonave c'est pour nous yoyé. Yo pas pour l'État haïtien. C'est avec sué nous. Et ben yo exister. L'État mandé pour multinational yo marché prend bien sous iléa bien mobilier immobilier nous même nous estimer. Donc c'est nous même l'État haïtien vend, c'est force courage nous le vend, c'est bien nous le vend. Donc nous même nous estimer vente. Il y a monde qui dit la gona pas vend, nous même nous dit le vend parce que la loi cas d'espèce ça la loi traite elle donc vente dissimulée. Donc je dis à la moun pas vinn dit comme ça la gona pas vendre parce qu'on pas côté gè moun qui mandé li compatriot qui mandé côté comme l'état vendre ou bien côté panter pour l'état qui t'en mesure li 100 km carré mandé côté panter encore l'état bay l'état transférer tout type droit de droit gagné sous terre elle dit il pas jamais rentre dans terre ça encore en dans décret ou dit côté lié. Je dis à la nous même ti nèg noue dans pays d'Haïti nous dit nous pas esclaves et nous pas esclaves. Nous c'est moun, même Jacques tout le monde. Nous pas d'accord, non seulement pour l'État haïtien vendre nous à toute terre, mais nous pas d'accord tout pour prendre l'argent nous dans le trésor public pour la construire bagaille par étranger qui va gagner redevance fiscale selon l'article 45 96 qui va payer douane qui va payer impôt. Donc à ce niveau-là nous même nous dit l'État haïtien s'il pas rentrer décret s'il pas rentrer appel d'offres qui fait dans date 20 juillet qui se passe là. Eh bien, nous-mêmes, nous allons entamer ensemble des démarches. Non seulement la bataille contre décret par tous les outils démocratiques nous gagnons, nous avons fait mobilisation, nous avons fait sitting, mais nous avons juste une désobéissance civile. Ça veut dire nous ne pouvons pas payer taxes, nous ne pouvons pas payer ferme encore sous Boudiléa. Le syndicat des employés du ministère des Affaires sociales et du Travail dénonce un ensemble de problèmes confrontés par l'institution. Les membres du syndicat ont toutefois exigé le départ du directeur général du ministère, Woody Rivaux. Ces citoyens accusent le directeur d'être responsable de plusieurs dossiers louches au sein de ce ministère. Après une longue absence médiatique, c'est ma jugé moment opportun pour faire tendre voile. Nous continuer à informer l'opinion sur le fonctionnement de Bratla. D'un coup, ce masque est toujours à dénoncer. Estocage chèque, volet monté machine, description d'Elco, sans pas oublier. Nous sommes des cadres corrompus en dedans et dehors ministère et la trier. Journée aujourd'hui, nous pas qu'à dire, directeur général Woody Rivaux abandonné poste depuis 3 mois. Pendant 7 ans, puis fort dossier qui sous responsabilité en souffrance. Et puis il continue à jouir tout privilège lié. D'un coup, frère, on mettait à disposition. Il y a 6 machines
ministère nan mel. Li gen 470 000 goud. Kote l fè dat piyanp. Non direction nan ministère. Depuis yon lan ni. Avant ministre Stéphane Auguste. Te vin nan tête ministère. Li te di syndicat. Comme ça, li metel non lié qui sûr. Pour toute raison ça yo. C'est ma sa mandé. Président Jovenel Moïse. Changer directeur ou dirigeant. Pressé. Oui. C'est ma square. L'important pour continuer à expliquer la société. Situation actuelle, institution, aujourd'hui. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sison, s'est rendu à Wanamène dans le département du nord-est d'Haïti les 13 et 14 août. Le voyage s'est focalisé sur la façon dont l'ambassade des États-Unis soutient Haïti dans le renforcement des contrôles aux frontières par la police frontalière Polyfront, la mobilisation des ressources nationales, la lutte contre la traite des personnes et le rôle du secteur privé dans le développement économique de la région frontalière. L'ambassadeur Sison et la délégation ont par la suite visité l'administration générale des impôts, l'administration générale des douanes et la direction de l'immigration et de l'émigration dans le cadre du projet de soutien au service des douanes supporté par l'Agence américaine pour le développement international. Ce mercredi 15 août était la fête de Notre-Dame de l'Assomption. Le curé de la paroisse cathédrale de Port-au-Prince, le révérend père Guy Crispin, a fait une historicité de la fête de l'Assomption qui est la montée de Marie vers le ciel. C'est moi qui curé ici de la cathédrale qui s'est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Et bien, c'est une fête qui fête chaque 15 août. Qui fête liée, c'est la montée de Marie vers le ciel. Alors, nous faisons cette différence pour mon Dieu. Et il y a ascension, il y a assomption. Ascension, c'est la montée de Jésus qui était monté avec propre force, courage. Et puis, il y a la montée de Marie qui s'est aidée par Jésus, lui monter lui-même tout. Alors, et, si nous avons les frontières approche biblique tout court, et nous dit Apocalypse, dans l'Écriture matérielle, on t'a parlé de ça. On t'a parlé de une fille qui était gagné 12 étoiles. Sous tête li, il était gain la lune en bas pied et bien fils ça il était enceinte, mais en même côté il montre de l'autre côté il y avait le dragon qui gain un paquet de tête, donc le méchant, le mal. Donc c'est pour montrer que bien il cohabite avec mal là. Quel voit poto hier on trouve un mal, on trouve une difficulté, mais Félix tu as dit nous ça mettre la palette, il dit c'est nous qui avons gagné un combat. Parce que mal là pas qu'à gagner sous bien, même des mots les comme ça, parce que son créature il est tout, son créature déchu, mais son créature il est, donc il est pas qu'à plus grand pas se mettre là. Donc quelle que soit difficulté, problème nous rencontrer, nous mettre qu'on est bon Dieu là avec. Il a profité de la fête de l'Assomption pour envoyer un message de courage à toute la population. Suivons les déclarations du révérend père Guy Crispin, curé de la paroisse cathédrale de Port-au-Prince. Nous vivons un moment qui n'est capable de dire qui a appelé au découragement. Et parce que tout bagage est difficile, mon yo gagner le monde à vivre, la compte s'il a vivre. Et tout bagage qui t'a facile tout nos problèmes pour haïtien. Alors c'est pas en Haïti seulement, c'est presque de partout, mais ici bagage on tient pire. Alors si m'dagon message, c'est dit m'da dit mon yo. Du courage parce que bon Dieu avec yo. Et ça m'a dit on tient ridicule. Si un monde t'a senti découragé, ma bon seul petit conseil. Fouillons tout, entretez tout, on met entretez tout. Parce que chrétien pas ne doit décourager. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, nous pas seuls, bon Dieu avec nous, c'est nous qui avons remporté la victoire. Le projet de sensibilisation et de mobilisation communautaire sur la violence sexuelle et basé sur le genre est une initiative conjointe de l'organisation Gouvernance Group, la MINUJUST et le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes.
La cérémonie de lancement s'est déroulée ce jeudi 16 août au local de l'organisation à Peggyville. Elle a été tenue en présence des représentants de la MINUSUST, des anciens et actuels parlementaires et dignitaires de l'État, des représentants de plusieurs ambassades, des représentants des agences des Nations Unies. Ce projet vise à soutenir les autorités nationales dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MINUSUST en faveur du renforcement de l'état de droit et de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Selon les dires de la présidente de Gouvernance Group, les femmes vivent quotidiennement des actes de violence partout, soit dans les foyers, dans les structures sociales et même à travers les rues des agglomérations rurales et urbaines. Permettez que nous vous remercions d'être venus au nom de Gouvernance Group lancer avec nous ce projet de sensibilisation et de mobilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes et basées sur le genre. À l'occasion, nous voudrions rappeler la campagne Tous Unis, instituée par harcèlement, coups, sévices sexuels, viols surtout, à l'égard des catégories les plus faibles, les plus vulnérables, plus particulièrement les petites et les jeunes filles. La violence est une réalité que les femmes haïtiennes vivent quotidiennement dans les structures sociales, dans les familles, dans les foyers et même à travers les rues des agglomérations rurales et urbaines du pays. Cette recrudescence des actes de violence est due au fait que les rares femmes économiquement actives dans le département de la Grand'Anse et du Sud sont totalement décapitalisées depuis le cyclone Mathieu. Également dans le reste du pays, à cause de la misère qui a cru. J'assure du plein support du ministère que je dirige, a martelé la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, lors de son allocution de circonstance. Elle applaudit à deux mains l'initiative prise par ses partenaires. Bien sûr, dans ce cadre-là, on a voulu encourager les communautés, mais aussi les institutions nationales à pouvoir plus facilement prendre en main et voir comment gérer ces questions qui sont devenues dans certaines zones épidémiques. Je cite Madame la Ministre qui nous en a parlé donc dans cette période-là. Une de ces activités qu'on a pu entreprendre, c'est ce projet avec Governance Group. On espère atteindre les 190 000 personnes qui devraient être les bénéficiaires, enfin, ou les récepteurs de cette sensibilisation. On pense que le sujet des violences faites aux femmes est un sujet qui a besoin d'avoir sa place dans le discours au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. Et on espère qu'un projet comme celui-ci, largement inspiré d'une idée de nos collègues de UNPOL qui ont participé à la mise en place des one-stop shops, dans la même logique, on a voulu créer des organisations, des forums ou des pilotes, des task force pilotes qui vont au niveau communautaire, donc au niveau de là où la violence se passe, mettre ensemble tous les acteurs qui pourront y remédier. La présidente de la commission conditions féminines et équité de genre à la Chambre basse dit fière d'avoir pris part à ce lancement. Ma présence peut être considérée comme une garantie incontestable de ma prédisposition à collaborer pour la réussite du projet, a affirmé la députée de Jérémy, Gladys Saint-Jean, lundi. C'est toujours avec une grande satisfaction et un énorme plaisir que je prends part aux initiatives en Haïti visant à réduire toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. L'une des formes d'inégalité les plus oppressives dans le monde est une violation des droits fondamentaux de l'être humain. Point n'est besoin de vous dire donc mon sentiment ce matin de participer au lancement de ce projet
qui tend à réduire et combattre les violences sexuelles et basées sur le genre en sensibilisant et en renforçant les communautés. Si ce projet de gouvernance groupe, avec le support de la MINUJUST et du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, veut adresser principalement les violences sexuelles et basées sur le genre, cela contribuera cependant à impacter sur toutes les formes de violence que peuvent subir les membres des communautés ciblées. Car nous devons nous rappeler que ces violences prennent de multiples visages et influencent sur la vie sociale, économique et politique des personnes qui les subissent. J'applaudis donc et assure du plein support du ministère que je dirige toute l'équipe qui travaillera à la formation, la sensibilisation des communautés sur le Task Force qui assurera le suivi judiciaire dans les différents départements et qui renforcera les capacités des membres des organisations communautaires. J'éprouve un immense plaisir en ma qualité de présidente de la commission conditions féminines et équité de genre à la Chambre des députés de répondre à l'invitation de la MINUJUST à l'occasion du lancement du projet consistant à sensibiliser et aussi à mobiliser à travers le pays les Haïtiens et les Haïtiennes contre les violences en général et les violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Ma présence à cette cérémonie peut être considérée comme une garantie incontestable de ma prédisposition à collaborer en vue de la réussite d'un tel projet. Il était 12h PM quand l'avion à bord duquel se trouvaient les héroïnes de la sélection des moins de 20 ans a atterri. C'était dans une ambiance très chaleureuse qu'elles ont été reçues à l'aéroport international Toussaint Louverture. Des fleurs, des photos et des salutations par-ci, par-là, de la part de tous ceux qui s'étaient présentés. L'équipe était reçue par la première dame et plusieurs autres dignitaires de l'État, notamment la mairesse de Tabar et de Lorcaillet, la ministre du MJUSAC, le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La première dame félicite les grenadières pour avoir représenté Haïti dignement au mondial. Des personnalités interviewées pendant la journée disent fières et contentes. Elles entendent travailler avec le MJUSAC en vue de mieux les encadrer pour qu'elles soient plus performantes. M'a dit tout d'abord honneur avec respect avec
avec chaque grande femme qui t'a participé dans match ça. Journée jodi a, moi wè nan chaque mesdames sa yo, yon héroïne, yon Catherine Flon, yon Sani Belair. Les mesdames sa yo sont fait parler de pays a, sont fait flotter bien haut bicolore là. Journée jodi a, comme nous toujours dit, comme nous connaît que nous en marge côté que n'a fait et vulgarisation de la politique d'égalité femmes hommes et que moins dit que enfin mesdames yo nous capables. En fait, force nous, li pas résider dans cerveau nous, li pas résider dans sexe nous, mais résider seulement dans cerveau nous. Parce que demain suivre mesdames ça, chaque gun là dedans dans match ça, exploit que t'as réalisé, nous dit enfin une fois de plus avenir payant li chita sous fond pays d'Haïti. Et c'est le moment ou jamais pour nous mêmes surtout dans condition ministère condition femmes ak droit femmes pour nous cap renforcer ça qui relait le leadership féminin pour nous cap faire chaque grande femme couer dans tête yo pour nous dire que oui yo capable et c'est le moment ou jamais tout pour que enfin dans pays d'Haïti pour nous cap faire sport là vini yon activité qui nationale et obligatoire nationale mais obligatoire dans l'école yo parce que mesdames yo gen en pile talent qui cache la caille yo gen fierté tout en pays tout en nation et c'est peut-être ça que nous tout nouveau déplacement au niveau du gouvernement gen en pile dans l'autre ministère même qui avec président mais nous même nous vini là on capable bien accueillir mesdames parce que pour montrer que la caille c'est la caille nous yo vini yo te représenté pays yo te représenté toute nation tout monde te campé derrière yo et nous vini accueillir pour dire merci merci que tu bien représenté pays et c'est pour mon apprentissage donc on y a après ça nous va porter coup blanc quand même bon c'est avec un sentiment de fierté nous vini accueillir sélection U20 et féminin qui sorti participer pour la première fois dans une coupe du monde dans catégorie par yo. D'abord, c'est mesdames ça représenter avenir football là particulièrement football féminin. Donc nous croyons que l'État grand pile bagaille pour l'investir pour faire pour encadrer dans le domaine ça. Donc Nerilia avec toute équipe ont été performé. Donc ça fait deuxième fois de participer dans la Coupe du monde. Mais Nerilia a marqué près de trois goals pour sport dans le monde, mais pour sport en Haïti. Donc c'est à encourager. Et ça explique la présence. Mais là, je dis, pas oublier que sport a gagné une certaine autonomie. Fédération à ministère des Sports, il faut chiter ensemble avec l'équipe là. Et tout l'autre secteur dans sport en Haïti pour mettre plus structure et mettre plus compétition. Et une barre qui a fait équipe là manquer performant parfois, c'est parce que manquer compétition. Et pour faire compétition, il faut avoir des moyens. Donc moi, c'est vers ça pour aller. Et sur Kembe Medami, vu l'âge qui est tout petit, donc à 25 ans, nous sommes une belle équipe de football. Elles ont de leur côté exprimé leur sentiment de satisfaction. Elles comptent sur la collaboration de tout un chacun. La Chine bat nos 2-1, nous campons face au Nigeria. Des équipes nous beaucoup j'aime jouer un petit match amical avec nous, nous arrivons au mondial, nous exploiter comme ça. Ça a dérangé un petit peu parce que je me suis dit que le docteur qui était opéré, mon bol, ça va arriver fait. Et bon, nous avons travaillé pour ça. Mais c'est parce que nous avons accueilli hier, pendant que nous avons arrivé à Paris, nous avons accueilli notre côté, nous étions contents, nous étions vraiment contents pour ça. Même si le peuple a fait ça, toujours été encouragé pour ça, surtout pour ça. Nous encourager. On a fait plus que nous, on a fait merci. Accueil ça au bas. C'est comme ça. Je suis parce que moi, éliminé la première phase. Pour moi, tout le peuple a campé avec nous. Je dis, on était toujours étonné parce que 2020, ça passait en 2019, ça passait en 2020.